Je me réjouis de recevoir encore une fois Diana Garbajoli, qui va nous parler aujourd'hui du fonds Manfred. Manfred est un historien russe spécialiste de Napoléon, mais aussi d'autres figures marquantes de la Révolution française, Rousseau, Mirabeau, Robespierre. Donc c'est un autre volet du cycle de conférences qu'elle a commencé hier et qui se présente en quelque sorte comme un contrepoint de ce qu'elle nous a présenté hier comme approche historique. Donc je vais céder la parole à Diana. L'École nationale des chartes est très heureuse de vous accueillir encore une fois. Donc merci à vous, merci d'être venu. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le fonds d'Albert Manfred, qui était vraiment un des chercheurs les plus éminents, dont les documents sont conservés en Russie, dans le département de manuscrits de la Bibliothèque d'État de Russie. On peut dire que les documents les plus anciens de ce fonds reflètent les années 1920, et les documents les plus récents, ils portent sur les années 1970 à 1980. Il présente une source d'information sur sujets tout à fait différents, par exemple sur les questions générales de la Révolution française, sur l'époque napoléonienne et sur l'influence des idées révolutionnaires sur la pensée sociale et politique de la Russie. C'est sûrement les études de la Révolution française qui ont attiré l'attention d'Albert Manfred. Vraiment depuis sa jeunesse. Par exemple, il a publié les œuvres sélectionnées de Marat en 3 volumes avec son article d'introduction. Et il a publié aussi un livre séparé consacré donc, à Marat. Mais son livre principal, le livre de Manfred, ce livre s'appelait « 3 portraits de la Révolution française ». Ce livre était conçu comme une image de la Révolution, une image dans son développement. Et Manfred écrivait que, donc, j'imagine un portrait d'un jeune Rousseau comme une image du pressentiment de la Révolution, après l'image de Mirabeau qui représente les premiers jours de la Révolution, et après le portrait de Robespierre, comme une révolution qui a acquis vraiment son propre forme. Et je voudrais vous parler un peu plus profondément sur la discussion sur la dictature jacobine. Manfred a pris une part très très active à cette discussion. Cette discussion elle a été menée par les historiens soviétiques dans les années 60 et les années 70. Donc, l'un des événements les plus importants dans l'historiographie. Mais pour comprendre les origines donc, de cette histoire, de cette discussion, il faut plonger un peu plus profondément dans l'histoire, dans la seconde moitié des années 30. Donc, dans ce temps, les études soviétiques, les études de la Révolution, ont été dirigées par un autre historien, un historien très célèbre, qui s'appelait Nikolai Loukin. Et cet historien était vraiment un chef, donc un dirigeant, qui étudiait les choses, les questions de la Révolution. Et donc, dans les années 30, il a rédigé un article très célèbre qui s'appelait donc, « Le problème de la dictature jacobine ». Il a utilisé un terme, donc une conception, pour définir la dictature jacobine. Il a utilisé un terme « dictature démocratique révolutionnaire ». Parce que ce terme existait déjà, il existait pour la révolution russe, et Nikolai Loukin a décidé d'appliquer ce terme pour expliquer les réalités, pour expliquer la révolution française. Il a dit que ce terme donc, explique la coalition jacobine. Il disait que les jacobines étaient soutenus par la bourgeoisie, par la classe moyenne, par la classe urbaine et par la paysannerie démocratique. Et Loukin disait qu'aux différentes étapes,
Il y avait une sorte d'équilibre dans cette coalition, mais l'équilibre, il changeait bien sûr. Il a changé donc un peu à peu, donc peu à peu. Donc ce terme, cette évaluation, cette compréhension de dictature était très classique pour le marxisme, pour l'historiographie. Cette évaluation a été soutenue très activement, soutenue par Albert Manfred, qui est devenu dans les années 50, il est devenu vraiment le chef reconnu de l'historiographie soviétique de la Révolution française. Il a défini aussi la dictature jacobine comme une coalition très très hétérogène. L'idée consistait à souligner que cette dictature comprenait la grande majorité du peuple français. Et c'est par cette idée que Albert Manfred a pu expliquer quelques contradictions dans cette coalition, quelques désaccords, donc quelques affrontements parmi les hommes d'État, parmi les jacobins. Mais en 1966, on a vu la critique. C'était le professeur d'histoire qui habitait Leningrad, le professeur qui s'appelait Rivonenkov. Ce professeur a publié un livre. Ce livre s'appelait « Le marxisme et le problème de la dictature, de dictature jacobine ». L'idée principale était que ce n'était pas les jacobins qui ont exprimé les intérêts du peuple, qui ont exprimé les intérêts du pauvre, mais c'était des autres groupes politiques. Et c'était des groupes, le groupe de gauche, beaucoup plus gauche que Robespierre, et par exemple les hébertistes. Donc Rivonenkov pensait que les origines de la démocratie, les origines de la dictature démocratique, elle était enracinée à la démocratie de Sans-Culottes, elle était enracinée aux sections de Paris et bien sûr à la Commune de Paris. Nous pouvons voir que Rivonenkov a mis en avant le nouveau terme, la nouvelle compréhension de cette dictature. Cette compréhension était vraiment très différente de la conception de la compréhension classique. C'était pour Rivonenkov, il a accusé les professeurs, il a accusé Manfred, il a accusé Loukine. Il a dit qu'il ne comprenait bien la théorie, qu'il ne comprenait bien le marxisme, les œuvres et les idées de Marx. Et c'est pourquoi Albert Manfred il a dû réagir. Il a publié un article que je pourrais vous montrer un peu plus tard, un article à la revue Question d'Histoire. Et cet article, il a tenté de prouver son point de vue, pour prouver son propre interprétation de la dictature. Mais Rivonenkov, bien sûr, il n'était pas d'accord. Il a publié son propre série d'articles. C'est pourquoi en 1970, on a convoqué un colloque très célèbre, un colloque à l'Institut de l'Histoire mondiale, à l'Académie des sciences. Et ce colloque a été consacré, a été dédié juste à la dictature jacobine. Mais ce qui était un peu paradoxal donc, dans ce colloque, Albert Manfred, Victor Dalin, on était dirigé ce colloque, on dirigeait donc, les débats, et ils ont pensé que les historiens, la jeune génération, la génération nouvelle, que cette génération voudrait soutenir donc, leur propre attitude, leur propre point de vue. Mais ce qui était paradoxal, c'est que cette nouvelle génération n'était pas vraiment intéressée donc, aux questions marxistes, aux questions d'idéologie. Mais ils ont voulu discuter bien l'essence, la substance de la dictature, la substance de la révolution, donc les pensées, les idées de Jacobine, mais pas vraiment ces considérations idéologiques.
Et donc, en conséquence, ce colloque est devenu, donc on peut dire que c'était le point logique dans ce débat donc, entre Manfred et entre Révonienko. Et ce colloque a montré que les considérations idéologiques, il ne cessait pas d'exister, bien sûr, mais que ces considérations, il n'avait pas d'intérêt pour la nouvelle génération d'historiens. Ces chercheurs voudraient vraiment donc, abandonner ces questions d'idéologie et de trouver quelques nouvelles approches. Donc, je voudrais vous montrer quelques documents sur cette discussion. Donc, c'est cet très très célèbre article écrit par Manfred. Donc, il y a beaucoup de documents dans ce fond. Parce qu'il a beaucoup préparé à ce colloque donc pour expliquer son attitude. Et on peut traduire cet article, le nom de l'article, comme la lutte dans la coalition des Jacobins, des Jacobines. Donc c'est ce fameux article. Donc, un moment. Et il y a un autre article qui est très, très, donc, un rapport très étroit, qui s'appelle sur les questions, sur les débats de l'historiographie de la Révolution française. Donc ce sont deux articles très célèbres qui reflètent l'attitude de Manfred sur cette question. Donc c'était la première grande partie, donc la première grande direction de recherche. Et peut-être si vous avez donc, quelques questions, je pourrais donc, expliquer un peu plus profondément pour préciser quelque chose. C'était en 1970, oui, c'est ça. Il y avait des historiens. Mais je pense que non, parce que les historiens français ont participé à un colloque international, mais c'était un peu plus tard. C'était déjà quand la perestroïka, la restructuration a commencé. Et ce colloque, c'était plutôt une chose un peu interne, donc parce que c'était vraiment le débat dans le cadre au sein de l'école russe, de l'école soviétique. Donc, la deuxième partie que je voudrais discuter. Pardon, excuse-moi, n'y connaissant rien, je vais peut-être demander de m'apporter quelques éclaircissements. D'après ce que je crois comprendre, Manfred, à un certain moment, essaie de développer une théorie sur l'historiographie et la manière dont on comprend en Union soviétique dans les années 60, c'est ça ? Oui, oui. La Révolution française. Oui. Avant cela, quelle était la doxa, quelle était la doctrine d'interprétation de la Révolution française dans les milieux historiens, historiographiques, russes, soviétiques, dans les années 20, 30, 40, quelle était l'interprétation qu'on a apportée de cette révolution française ? C'était quoi cette révolution française ? Comment elle s'inscrivait dans l'histoire française ? Comment les Russes ont dit, voilà la révolution française, nous on l'interprète comme ça, sur le temps long de l'histoire française ? Donc merci de votre question, parce que... Rien n'est préparé. Donc l'idée principale était que dans les années 20, les années 30, l'idée principale consistait à souligner qu'il y avait la lutte des classes. Et donc, presque tous les chercheurs soviétiques ont vu la Révolution française comme la lutte des classes. Et ils ont accordé beaucoup d'attention à cette dictature jacobine parce qu'ils l'ont vue comme vraiment une image que les, donc, les gens pauvres donc, ont battu pour la liberté. C'est pourquoi cette conception que Manfred a soutenue, cette conception était née vraiment aux années 20, aux années 30. Mais ce qui est intéressant, que bien sûr c'était, donc nous parlons de l'historiographie soviétique, même si ce sont les années 20, les années 30, donc la naissance de cette historiographie. Et je vous parlerai un peu plus tard sur l'historiographie russe, je vous parlerai sur... sur les idées de Chernyshevsky,
qui était aux origines du mouvement socialiste en Russie, à l'Union soviétique. Et donc nous pourrons voir qu'il y a vraiment une continuité, mais que Tchernychevski, bien sûr, il ne le voyait pas comme la lutte des classes, mais il a vu la Révolution française comme un signe, comme tout un cycle de révolution. Il a pensé que la révolution doit, comment dire ça, que ce n'est pas la révolution qui a commencé, qui a fini, mais la révolution c'est tout un siècle, que ça ne finit pas, mais que ça continue, et on peut parler d'un siècle révolutionnaire. C'est ça. Et c'est à ce moment-là, c'est dans les années 20-30, qu'il y a eu cette fascination pour les Jacobins et qu'il y a eu tellement d'achats par le gouvernement de documents. Parce que dans les archives russes, on trouve des tas de documents sur la Révolution française, sur les Jacobins, etc. C'est attaché, ça. C'est assez dépendant. Mais donc dans ce fond de Manfred, j'ai tâché de trouver vraiment les documents français sur la dictature jacobine. Mais comme j'ai compris, c'est plutôt les images, donc je pourrais aussi vous montrer, mais c'est plutôt les images sur les guerres révolutionnaires. Donc par exemple, la bataille de Fleurus. Donc par exemple, il y a quelques images. Mais en ce qui concerne les documents plutôt théoriques, je n'ai pas beaucoup trouvé dans ce fond. Par exemple, je ne sais pas parce que, par exemple, Manfred n'a pas pu avoir accès. Peut-être c'était à cause d'idéologie. Donc, je ne peux pas être sûr. Mais donc, il y a donc des images de guerre révolutionnaire, de l'armée. Et Manfred a beaucoup écrit aussi, pas seulement sur les guerres révolutionnaires, mais sur l'attitude de Jacobin, sur l'attitude, donc comment construire l'armée, comment faire la guerre. Il y a beaucoup de détails, mais j'ai choisi un sujet peut-être plus théorique. Donc pour c'est son fonds d'archives scientifiques. Oui, alors je voulais vous demander, est-ce que, parce que vous voyez sur cette plaque, il y a c'est Augustin Cochin qui est mort pendant la guerre 14-18. Et Augustin Cochin, avant la guerre 14-18, a écrit une analyse sur le gouvernement révolutionnaire et le gouvernement jacobin, qui est très célèbre. Et est-ce que Augustin Cochin a été connu et discuté en Russie pendant la guerre? Mais j'ai peur, mais je pense que pas vraiment très très largement. Il y a plusieurs noms français qui ont été célèbres dans les années 60, dans les années 70, en ce qui concerne l'historiographie. Et par exemple, je vous parlerai du livre d'Albert Sebul sur les cinq culottes. Donc, Manfred a vraiment accordé beaucoup d'attention à cette question de Saint-Culotte et donc à Albert Sebul. C'est pourquoi, donc, si vous voulez, je pourrais donc continuer pour discuter un peu ce livre. Donc, c'est la deuxième partie de mon intervention. Bien sûr que Manfred n'a pas seulement fait ses propres recherches, mais il a aussi étudié les opinions, les attitudes des autres historiens, bien sûr les historiens français et les historiens russes. Et je voudrais vous parler des deux essais, des deux articles que Manfred a rédigés. Et donc, le premier article, Albert Manfred a consacré cet article au livre d'Albert Sebul et à la question donc, de Saint-Culotte à Paris. Donc il y avait vraiment beaucoup de points communs entre donc, l'attitude de Manfred, entre l'attitude de Sebul. Et Manfred écrit dans cet article que les sans-culottes parisiens, elles étaient vraiment l'avant-garde de la Révolution française. Et ce qui intéressait Manfred dans les œuvres de Sebul,
C'était une question peut-être un peu juridique, un peu politique. C'était la question de souveraineté et comment les gens, les plus pauvres comprenaient cette notion, la notion de souveraineté. Et donc, Manfred de Cry, que les cinq culottes ont réclamé le droit de contrôler les activités des députés, les activités des élus, et ils ont réclamé le droit de les révoquer. Et Manfred dit que les cinq culottes ont compris ce principe, le principe de souveraineté, pas comme une conception très, très abstraite, mais ils l'ont compris comme une réalité très, très concrète. Et ils ont pensé que le droit, que chaque personne avait le droit d'effectuer la totalité de leurs compétences. Et Manfred a écrit donc ensuite que les élections à deux étapes, les cinq culottes n'ont pas approuvé cette idée, l'idée d'avoir les deux étapes des élections, parce qu'ils ont pensé que cette idée, ces deux étapes, ont vraiment empêché à réaliser à réaliser leurs droits, à réaliser la vraie représentation du peuple. Et ils ont pensé qu'il faut vraiment avoir le contrôle des députés, le contrôle des élus, les droits de les révoquer. Et Manfred écrit que les sections de Paris, les sections les plus avancées, ont demandé le suffrage universel, vraiment universel, et le suffrage direct. Et il écrit que le conseil de la commune a décidé finalement que les électeurs donc vont voter ouvertement, que les listes de députés seront soumises au contrôle de différentes sections. Et Manfred se réfère à la théorie, donc à la question plutôt juridique. Donc elle parle du mandat impératif, du mandat du peuple français. Et donc il pense que ce mandat, cette conception de démocratie, la conception de souveraineté, qu'il était né depuis longtemps, qu'il était né quand les États généraux ont été convoqués. Et il montre clairement que les sections de Paris, que la commune de Paris a favorisé le contrôle direct, le contrôle des citoyens, donc sur les députés, sur les élus. C'est pourquoi cette méthode consistait à améliorer le système des élections, améliorer tout le système représentatif. Donc, c'était ce qui concernait l'historiographie française. Et je voudrais vous parler un peu sur l'historiographie russe. J'ai déjà mentionné Chernyshevsky, qui est très célèbre en Russie. Manfred lui a consacré un article séparé, donc je vous montrerai un peu plus tard. Et Chernyshevsky a accordé beaucoup d'attention à la Révolution française, bien sûr, et à la réforme russe, à la réforme de la paysannerie, qui avait lieu en 1860. Et l'idée était de comprendre comment réformer la société, comment changer la paysannerie, comment faire des réformes. Et Chernyshevsky voulait vraiment utiliser l'expérience française pour apprendre comment réformer la société, mais réformer le mieux possible. Et Manfred a pris les idées, la pensée de Chernyshevsky. Il dit que Chernyshevsky a compris que le progrès historique, le processus historique, que la société se développe, mais ça prend du temps, bien sûr, et que le progrès se fait très, très lentement. Mais il apprécie vraiment la Révolution française. Et il dit que la révolution a montré que la société a commencé à écouter les meilleurs gens,
les avocats, les meilleurs gens. Nous pouvons dire qu'il a découvert, donc en Russie, il a découvert une loi d'histoire, une loi de rotatif, donc une loi de cyclisme, qu'il y a des cycles. Il y a une montée de la révolution, après il y a après les éléments plus modérés donc prennent le pouvoir. Et il y a donc Tchernychevski qui a vraiment développé cette idée, l'idée du changement constant, le changement, le mouvement historique. Et il a dit que le libéralisme, le radicalisme et le conservatisme peut-être, ils sont en alternance, et que dans chaque étape, à chaque étape du développement historique, nous pouvons voir quelques éléments de progrès et quelques éléments de régression. Et cette idée était, après Tchernychevski, cette idée est devenue très très populaire. Et Manfred écrit que nous ne pouvons pas voir la révolution comme tout simplement un événement particulier, mais nous devrions accorder plus d'attention à tout un cycle des événements. Et donc nous ne parlons pas de la révolution, mais nous parlons de tout un siècle, donc 19e siècle. Et il pense qu'un chercheur, un historien, il devrait étudier pas un événement unique, mais l'histoire en général, donc l'histoire totale. Et c'est pourquoi la révolution peut être considérée comme un héritage politique de toute l'Europe. Donc vraiment. Je voudrais vous montrer donc ces documents sur c'est une revue très très célèbre, la revue soviétique. Mais maintenant c'est une revue russe, donc on commence. On continue à publier ces revues. Et c'est dans cette revue, donc Manfred a préparé quelques articles. Donc, cet article s'appelle L'histoire des relations des socialistes, donc des socialistes russes et les socialistes français. Et il y a un autre article qui est donc en français. Et cet article explique vraiment toute l'histoire du mouvement révolutionnaire, du mouvement révolutionnaire français et russe. Elle explique donc les rapports théoriques entre les études françaises, entre les études soviétiques, qui portaient sur cette question, sur les questions de révolution française. Donc, si vous avez quelques questions. Je ne suis pas sûre sur l'internet, mais je pourrais vous envoyer parce que j'ai une petite collection de ces annuaires françaises. Il y a donc à la Bibliothèque d'État, il y a toute une collection parce que cette revue, on a publié depuis 1958. Donc c'est toute une collection très très riche. C'est l'Institut d'Histoire de l'Académie des Sciences qui a commencé donc ses études. C'est pourquoi je pourrais donc vous envoyer donc tout cet article. Ah oui. Suis-je le fondement pour quelque chose sur sa façon de travailler avec la presse ou avec ce qu'il a vu de façon de le mettre les sources étrangères, parce que c'est quand même étranger de travailler avec une question spécifique que rien de faire. Qu'est-ce que ça a apporté à son fond personnel de chercheur? Donc merci. Le climat de travail, à quoi ça ressemble? J'ai vu des gens qui travaillaient beaucoup avec les frais de presse. Quel est ce laboratoire? Donc c'est très intéressant vraiment de considérer, d'étudier la méthode que donc un chercheur utilise. Et c'est vrai que quand j'ai travaillé donc sur ce fond, il y avait beaucoup de lettres, mais c'était des lettres un peu formelles parce que c'était les lettres entre donc Albert Manfred et les autres institutions. C'est pourquoi peut-être dans une lettre particulière, peut-être il n'a pas beaucoup d'informations, mais c'est comme nous voyons toutes ces lettres en général, on peut voir que Albert Manfred a fait la correspondance,
qu'il a demandé quelques extraits de presse de presque toutes les institutions de l'Union soviétique. Et là aussi, donc, il y avait la correspondance avec les collègues français. Et c'est bien que, par exemple, il y avait dans ce fonds, il y a des lettres de maisons d'édition françaises. C'est vrai qu'Albert Manfred a demandé de lui envoyer quelques extraits sur l'historiographie, par exemple sur ce livre d'Albert Sebul. Donc, je pense que c'était une méthode donc, de travailler pas seulement au sein de l'Union soviétique, mais de travailler vraiment à l'échelle internationale. Oui, parce que au centre des archives de l'histoire du socialisme, je ne sais plus quel est le nom aujourd'hui, il y avait, comme Armel l'a indiqué, des acquisitions d'archives françaises qui ont été vendues à cette époque-là sur la Révolution et les personnages révolutionnaires. Et puis il y a aussi ce qui est peut-être moins connu, mais précisément, des acquisitions considérables de publications, brochures, tracts divers en français publiés et achetés chez les libraires de Paris, et qui forment un fonds de publications de l'époque révolutionnaire très important. Parce que les historiens, les historiens français, ils se régalent. Il a quand même des extraits de presse très anciens, par exemple dans son monographie sur Napoléon, il y a un magnifique passage sur citation des titres des articles français pendant 15 jours. Ça commence par quelque chose qu'on repose de marquer quelque part, après Bonaparte et Grenoble, Napoléon en Fontainebleau et Sa Majesté en Grand Duc à Paris. Je me demandais, quand je lisais toute jeune, où est-ce qu'elle pourrait pu trouver ces extraits? Est-ce que les journaux françaises de l'époque étaient gardées par les Russes dans les fonds publics? Est-ce qu'il les a lus chez les historiens français? Parce qu'ils se réfèrent dans le Napoléon Bonaparte exactement vraiment à la presse française tout court, sans expliquer du tout comment ils s'étaient procurés ces extraits très intéressants des 100 jours, du tout premier quelques jours de 100 jours. Donc c'est sur ça que je voulais poser un autre. Oui, c'est pour ma réponse. Il faudrait vérifier, mais parce qu'il y a eu des acquisitions, on parle toujours des acquisitions d'archives, mais des acquisitions d'imprimés publiés de contemporains ont été considérables. Il y a un fonds considérable. Et je pense que c'est sans doute comme il avait ses relations avec hors de l'URSS, mais je pense que aussi il y a ce fonds, il avait accès à ce fonds de l'Institut Marx-Engels, etc. Et ce qui est intéressant, que, mais malheureusement, on n'a pas encore publié un inventaire de ce fonds de Manfred, mais ce qui pourrait être aussi intéressant, que hier, nous avons mentionné la personnalité de Porchnev, qui travaillait vraiment avec Manfred. Et donc, à Moscou, nous avons, avec les étudiants, nous avons réussi à trouver le fonds de Porchnev, et c'était donc à l'Académie des sciences. Donc, il y a donc beaucoup à étudier, donc beaucoup de choses à faire. Et donc, nous avons proposé à nos étudiants de commencer, mais premièrement, de continuer à étudier ce fonds d'Albert Manfred, parce qu'il reste beaucoup de documents à étudier. Et deuxièmement, nous avons proposé à étudier le fonds de Porchnev, parce qu'il s'occupait non seulement de l'histoire, mais aussi de l'histoire sociale, donc, dont nous avons parlé hier, de l'anthropologie, et c'est pourquoi donc, nous avons beaucoup à faire. Et on n'a pas encore publié les inventaires, et donc nous pensons que nous pourrons donc, préparer les inventaires de plusieurs fonds des historiens soviétiques qui se trouvent en Russie. Non, c'est pour les étudiants de master, parce que donc, nous cherchons les thèmes, donc les thèmes de thèse. Et donc, j'ai proposé une étudiante de master parce qu'elle a fait des études de sociologie. Et donc, Porchnev s'occupait beaucoup de l'histoire sociale. C'est pourquoi, donc, peut-être, elle pourrait préparer vraiment. Donc. Mais son cours est à l'Académie des sciences. Oui, à l'Académie des sciences. La troisième partie, donc, la troisième direction, donc, je voudrais vous parler. C'est une question de l'époque napoléonienne.
C'est une question qui porte sur la doctrine, la doctrine étrangère, la politique étrangère de Napoléon. Parce qu'en fait, l'œuvre le plus notable, l'œuvre principale d'Albert Manfred, c'était bien la biographie, donc une œuvre qui était consacrée à Napoléon et qui s'appelait bien Napoléon Bonaparte. Et ce qui est intéressant, ce qui attire vraiment l'attention d'Albert Manfred, c'est l'idée que dans les premiers jours de son règne, Napoléon a pensé vraiment à faire une alliance. Il a considéré la possibilité de faire une alliance avec la Russie. Et une telle alliance pourrait vraiment assurer une alliance, une coalition. Il pourrait donc donner de nombreux avantages dans le domaine des relations internationales. Et donc, ça pouvait être une alliance contre la Grande-Bretagne, une alliance non seulement en Europe, mais aussi en Asie. Et donc, la France devait chercher une alliance avec une grande puissance. Mais un point important, une idée était. Une grande idée consistait à faire une sorte de propagande, élaborer quelques programmes pour cette politique étrangère. Et c'est pourquoi on a préparé une œuvre, une sorte de programme de travaux qui s'appelait L'état de la France à la fin de l'an 8. Et donc, on ne sait pas vraiment qui était l'auteur de ce travail. Quelques chercheurs pensent que c'était Talleyrand lui-même qui a rédigé ce travail, cette œuvre. Mais l'auteur officiel de ce texte, c'était un diplomate bien connu qui s'appelait Alexandre Maurice Blanc de Tarif. Donc, il a servi au ministère des Affaires étrangères. Il a occupé un poste vraiment important comme un chef de département. Il a travaillé avec Talleyrand. Ce diplomate a écrit un essai qui s'appelait L'état de la France à la fin de l'an 8. Cet essai, cette œuvre, il contenait vraiment une justification, une sorte d'apologie, une justification de la politique étrangère de Bonaparte. Et de Tarif a pensé que vraiment la Russie a devenu une grande puissance, donc un vrai empire. Et il a pensé que la France et la Russie pouvaient faire une alliance. Et il a pensé qu'il devrait vraiment comprendre les conditions qui permettraient à la Russie et à la France de devenir pour travailler ensemble. Et il a proposé par exemple, il a proposé à l'empereur russe de considérer le système de pouvoir en Russie, et par exemple de diviser la Russie en deux parties. Il se référait un peu à l'empire byzantin. Il pensait que chacun de ces empires pouvait avoir son propre capitale, son propre ville, donc Moscou et Saint-Pétersbourg, pour élaborer quelques nouveaux systèmes, un système fédéral. Il a pensé que la Russie pouvait devenir un facteur important dans l'équilibre des forces en Europe. Il a cru que dans ce cas, la France pouvait maintenir l'équilibre dans le nord, dans le sud. La Russie pouvait maintenir l'équilibre dans le nord de l'Europe. Cette alliance pouvait renforcer l'équilibre de pouvoir dans le monde entier. C'était une idée un peu, pas très réalisée. Dans le même temps, c'était très célèbre, et Manfred a consacré un article à la politique étrangère de Napoléon, qui a été finalement publié à l'Annuaire française.
Donc, il y a, donc si nous pouvons traduire, c'est du patrimoine littéraire, donc de Napoléon. Donc, un article des plus célèbres de Manfred, qui a servi de base pour cet livre, pour cette biographie, qui a écrit sur Napoléon. Donc, c'est le dernier sujet que j'ai voulu vous présenter pour ce soir, pour demain. Et si vous avez quelques questions, je serai heureuse de vous répondre. Excusez-moi. En 1976. Mais il travaillait donc presque jusqu'au dernier jour. Il y avait des livres qui ont paru donc en 1975, je pense. Donc il travaillait vraiment toute sa vie, toute sa carrière. Il était né, je pense, en 1920. Je crois que c'est 1906. Donc, il faudrait vérifier un peu. Ce qui est intéressant, l'ouvrage a été publié, traduit en France, Napoléon, en 1980. Donc, c'est un ouvrage posthume, traduit à titre posthume, en tout cas. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'effectivement, il est publié à un moment de l'historiographie française où la biographie historique n'avait pas la cote. C'est-à-dire qu'elle était tombée en désuétude et on s'intéressait beaucoup plus aux phénomènes historiques, aux approches sociologiques de l'histoire qu'à des personnalités en particulier. Et néanmoins, quand on vous entend, on comprend bien que la pratique de l'historien, la pratique d'Albert Lefebvre, est celle d'un scientifique. C'est-à-dire qu'il s'est nourri des sources multiples et qu'il est au plus près des sources d'actualité et de toutes les approches contemporaines. Donc c'est très intéressant par rapport à votre contribution d'hier. C'est vraiment dans la continuité en fait de ce qu'il y en a pu présenter hier. Et en fait, vraiment, les études de Manfred ont d'urgence contemporaine, parce que le livre qu'il a rédigé, il y a une sorte de manuel aussi sur l'histoire de la France en trois volumes. Et ce manuel, on l'utilise donc constamment, donc à nos jours, donc il ne perd pas d'actualité. Pardon, il y a une question un peu bête encore, et je ne sais pas si c'est une vraie question à poser. Aujourd'hui en Russie, si on peut parler de communauté historienne, des historiens aujourd'hui, quels sont les grands thèmes qui vont passionner, qui vont intéresser les historiens russes aujourd'hui? Ils s'intéressent à quoi aujourd'hui comme grande thématique, problématique historique sur la Russie ou sur le monde ou sur l'Europe? Est-ce que tu sais, toi, à peu près, s'il y a des choses qui émergent aujourd'hui, même vis-à-vis du grand public, sur les grandes tendances de la recherche historique aujourd'hui en Russie? Donc, il y a vraiment plusieurs tendances les plus prometteuses. Par exemple, ça serait l'histoire intellectuelle. Par exemple, le professeur Riepina, qui est devenu donc l'académicien, qui fait partie de l'Académie des sciences. Elle travaille vraiment sur l'histoire intellectuelle, donc pour prendre suite vraiment à l'école des annales. Il y a une approche anthropologique, donc une approche pour étudier l'homme en histoire, donc étudier l'homme à travers l'accident, donc pour étudier les individus, pour étudier le comportement, donc par exemple le comportement démographique, par exemple les traditions de mariage. Donc c'est vraiment, j'ai pu voir quand j'ai préparé des conférences que les historiens russes qui travaillent donc, maintenant, ils peuvent vraiment prendre suite, ils peuvent donc intégrer les tendances, les données, les approches proposées par la France, proposées par l'école des annales,
Et c'est, donc cette approche anthropologique, cette approche intellectuelle, ce sont vraiment les tendances qui sont développées aujourd'hui. L'histoire des émotions et des femmes, l'histoire des émotions. Ah oui, bien sûr, parce que par exemple, Yuri Bessmertny, qui a pris la suite de l'École des Annales, il a proposé d'étudier une autre histoire, donc l'histoire par exemple de chevaliers français. Il a proposé d'étudier non seulement les traditions, non seulement la guerre, mais aussi leur monde spirituel, et, par exemple les émotions, c'est vrai, les relations entre le chevalier et une noble dame. Donc c'est vraiment donc, l'histoire des émotions. Je voudrais compléter parce que je suis quand même dans la rédaction de l'éthique archiviste et de l'association archiviste historienne. Et moi, ce que j'observe sur les derniers numéros de revue, c'est que la question de le rôle de l'homme en histoire, de personnalité à l'histoire, qui était posée de façon très catégorique par les marxistes aux années 20, en fait, est-ce que par exemple, classique, est-ce que Napoléon est le produit de la Révolution française? Est-ce que les réformes de Pierre le Grand ont pu faire par quelqu'un ou d'autres? Il y a d'autres personnalités. Et après, il y avait multiples réponses d'historiens. Maintenant, il se pose au niveau de procès plus local. Moi, je le vois surtout peut-être sur des problèmes de guerre mondiale et de guerre, sur les problèmes des rôles de tel ou tel ou tel dirigeant en personnalité. Dans le procès sur lequel il avait maîtrise, à quel point elle était le fruit de ce processus, à quel point il a modifié par sa présence. Et je pense que cette interrogation globale n'est pas encore abandonnée les esprits des historiens russes, malgré ce retour vers l'histoire personnelle qui est en fait le retour de Balancier par rapport à l'époque soviétique où on traitait que des grands procès, des grands mouvements, des grands périodes. C'est vrai qu'il y avait retour de la personne, mais en même temps, ce question de rôle de personnalité dans l'histoire, à mon sens, il n'est pas encore élevé dans l'historiographie d'aujourd'hui. Ce qui explique abondance dans l'historiographie adressée aux professionnels et adressée en fait, au tout le monde, des biographies des personnes du 17e, 20e siècle. Je ne sais pas si il y a un mot de fait, mais ce que je constate en regardant les publications. Est-ce que, par exemple, Staline a fait l'objet de... Alors, une incidence. En France, il vient de paraître, par exemple, un ouvrage sur Beria, une biographie de Beria. Alors, pour compléter ce que dit M. Delmas, là, mes sources sont uniquement télévisuelles. Hier soir, je regardais les actualités télévisées, voilà, et on vous a fait le portrait d'un historien français qui vient d'écrire un ouvrage sur Joukov, avec l'importance du rôle qu'on accorde à Joukov dans la reconquête russe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un historien français, hein, bien sûr. Donc, pas russe, un historien français. Oui, c'est ça, parce que je dis qu'en ce moment en France, il y a un certain nombre de biographies de personnages de l'époque soviétique. Par exemple, le livre sur Beria, avec la lettre publiée par un professeur de Paris 4, Paris Sorbonne. Ah, donc ce qui peut... L'Archive fédérale russe veulent mettre en ligne une sorte d'un passé de Staline, ils vont mettre des documents sur Staline en ligne. Mais en ce qui concerne Staline, peut-être je ne suis pas vraiment sûre, mais ce qui peut être intéressant, donc vous avez mentionné les études biographiques, les études des biographies de grands hommes, et ce qui peut être intéressant, si nous parlons encore de Manfred, quand il a rédigé donc, son grand livre sur Napoléon, en fait, ce n'était pas le premier livre qui a été consacré à Napoléon, parce qu'en 1935, un autre historien très célèbre, Tarle, il a déjà donc, publié un livre sur Napoléon, mais ce qui est intéressant, que Tarle a écrit sur... comment dire, sur la maturité, sur la règne de Napoléon. Mais Manfred, il a consacré deux grands chapitres à la jeunesse de la Napoléon. Et donc, je pourrais vous citer. Donc, ce chapitre s'appelait sous la bannière des Lumières, le soldat de la Révolution.
C'est-à-dire que ce livre peut être considéré comme une étude vraiment biographique qui la rapproche un peu avec l'école des annales, parce que Manfred a tâché de comprendre pas seulement la politique de Napoléon, mais aussi sa personnalité et comment la Révolution française a formé sa personnalité. Et après, donc, dans le cours des années, comment cette personnalité a changé, donc, comment il a abandonné les idées de la liberté, comment il a passé aux idées plus monarchiques. Donc, c'est pourquoi ces études biographiques ont pris naissance vraiment plus tôt. Bien, je remercie Diane pour cet éclairage qu'elle nous a offert aujourd'hui sur ce fonds qui est d'une extrême richesse. Si vous avez d'autres questions, peut-être encore que vous voulez poser, sinon, je pense que. Merci à vous.